Salut! Salut à tous, on se retrouve pour, vous l'avez remarqué, Oddworld Exodabe, la suite du premier épisode de la série. Donc c'est un épisode qui se déroulera en 2D, comme dans le premier épisode. Donc montre-moi ce qui s'est passé, je vais essayer, voir ce que ça fait. Bon, ça veut pas. Donc je vais lancer le jeu tout de suite. Donc on va se retrouver après toutes les très belles et superbes cinématiques. De sa main balafrée, la lune il a marqué. Le peuple Mudokon, ce héros peut libérer. Avec sa peau bleue et son esprit de feu, sauver nos os de la brasserie lui seul peut. Mais tomber sous le joug des glucos signera l'arrêt de mort des Mudokons. Voici Necrom. C'est ici que les Mudokons enterraient leurs morts. C'était avant que les Glucons ne commencent à voler nos os. Ils se servaient d'esclaves Mudokons. Les aveugles qui ne se doutaient de rien. Les Glucons voulaient que personne ne sache ce qu'ils déterraient. Et personne n'en a jamais rien su, jusqu'à ce que les esprits de ces eaux me rendent visible. C'est moi. Je m'appelle Abe. Je venais juste de sauver 99 Mudokons de Rupfufa. Oups. Oh, Abe. Et c'est là que je les ai vus. Abe, tu es le sauveur des Mudokons et tu dois nous aider. Les Glucons déterrent nos ossements. Tu dois venir à Necrom, Abe. Vite! Il fallait faire quelque chose. Moi et quelques autres sommes alors partis à la recherche de Necrom. Notre périple commençait bien. On était tout excités. Abe, t'es le plus fort. Ok. Mais à l'heure du déjeuner, on commençait à être fatigués. Allez. Ok. C'est encore loin. À l'heure du dîner, ça devenait insupportable. C'est ta faute si on en est là. Mais on a marre. Je peux rentrer? Oh. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien. Un sale. D'où est-ce que ça vient? C'est un os. On dirait qu'on se rapproche. Allons-y. Oui, allons-y. Allons-y. Et nous voici donc arrivés dans les mines de Necrom. Après ces superbes cinématiques, encore une fois, il faut le souligner. De très belles cinématiques donc du jeu Oddworld Exodabe, sorti évidemment sur PlayStation 1. C'est sur PlayStation 1, c'est sur cette plateforme. Salut.
que j'ai choisi. Attends, au boulot. Donc je vous montre un peu tout ce qu'il sait faire maintenant, parce qu'il y a eu quelques petits changements par rapport au 1. Donc tout ça, notamment le tous ensemble, etc. Il y a eu quelques améliorations portées sur le jeu, alors que je vais vous montrer le passage secret déjà dès le premier niveau. Donc c'est un jeu sorti en novembre 98 par la même équipe qui a fait le premier, évidemment. Donc ils ont gardé les mêmes ingrédients qui ont fait le succès du premier épisode, du premier volet. Alors qu'attention, là j'ai l'un des nouveaux ennemis qui apparaît dans ce jeu, ce sont les slicks volants. Donc certains ont troqué leur gentille petite papate pour les hélicos, et donc évidemment leur jolie mitraillette pour quelque chose de beaucoup plus et beaucoup plus explosif. Donc évidemment, de par ce petit mot, ça sera donc des grenades. Donc là, j'essaie de sauver un peu mes mudokons. Forcément. Donc là... Non, j'avais déjà perdu un. Les deux. Et bon, bah... décidément, comme lors du premier let's play de Oddworld Legacy Slave, comme dans le premier épisode, j'ai réussi à tout foirer. Donc là, c'est pareil, j'ai tout foiré. J'ai vraiment envie de sauver cela. Donc à savoir, donc, il y a eu quelques améliorations dans le jeu. Donc le jeu tient sur deux CD sur PlayStation. Donc ça prouve que la durée de vie du soft est vraiment conséquente. Mais les premiers niveaux sont toujours aussi entre guillemets simples. Je dis bien entre guillemets parce que je... Sauver les mudokons, c'est vraiment pas du gâteau. Vas-y, tant pis si tu veux. Voilà, si tu pouvais monter, ça m'arrangerait. C'était... Donc cette fois-ci, il n'y a pas 99 mudokons à sauver, mais beaucoup plus. Et il y en a 300 à sauver. 300 mudokons, donc autant vous dire tout de suite que ça ne sera pas non plus à 100%. Vas-y. Oh non, j'en ai perdu deux. C'est pas possible, vous allez comprendre plus tard pourquoi j'ai besoin des deux autres. Parce qu'on tue une pièce qui m'aidera, voilà. Lui il est tué comme ça, moi aussi, donc voilà. Donc cette première vidéo commence très très mal. Bon, enfin, c'est... j'ai toujours l'habitude de commencer mal dans Oddworld, donc ce n'est pas grave. Donc ça ne sera pas un 100%, je sauverai le maximum de mudokons que je peux. Dans les mythes de Necrom, je vais faire vraiment un effort pour essayer d'en sauver vraiment le maximum. Mais voilà, quand j'aurai atteint la barre des 150, si vraiment je me prenais la tête avec eux, vraiment je les laisserais tomber, ils avaient qu'à trouver une meilleure place et puis c'est tout. Donc j'avais pas prévu vraiment de faire ce let's play. Je pensais faire Rayman. Pas de boulot. Je pensais faire Rayman, mais parce que je voulais faire le 2, mais le problème c'est que je ne savais pas qu'avec TSX on pouvait jouer CD, parce que j'avais l'habitude de jouer avec le TSXE. Et voilà, c'est bon. Toujours le petit cœur qui va de plus en plus vite à partir du moment où on tape sur le levier. Okay. Salut. Ouais, yéhi, ça passe. Et de deux. Je ne sais déjà plus ce que je disais. C'est vrai qu'on bronze très très bien. Voilà. Oh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin, mon dieu. Et voilà, vous comprenez pourquoi j'en avais besoin. C'est parce qu'il y avait ces trois valves à actionner. Donc, si tu pouvais avancer, mon grand, ça m'arrangerait, voilà. Mais non, et maintenant c'est l'autre qui vient. C'est pas possible. Donc allez-y, au boulot. Au boulot, bande de feignasses. Voilà. Bon, les mudokons sont vraiment de vrais bosseurs. Et si je continue par là, attention. Voilà, donc là c'est l'une des c'est l'une des nouveautés de ce soft en fait, c'est que si je leur dis de me suivre, ils me font AA en série. Parce que
justement, ils ont des émotions maintenant. Les Mudokons verts ont des émotions, donc ça va. Donc il va y avoir un panneau un peu plus tard qui va montrer un peu tout ça. Et ces émotions auront vraiment un rôle prépondérant dans le jeu. Il y a vraiment des choses qui seront très corsées à ce niveau-là. Et ça va forcément m'agacer. Parce que je vais sans doute mourir un peu à cause d'eux. Enfin bref, je vais enfin sortir de cette première zone cachée. Donc c'est comme dans le premier épisode d'Oddworld. Il y a une zone secrète dès la première scène du jeu. Donc contrairement au 1 justement, c'est que les zones secrètes seront pour la plupart indiquées avec des bouteilles vertes. Vous allez... oui, c'est là. Donc là, il y a le petit panneau que je vous disais. Alors, colère, c'est un baril de poudre. Dis-lui que tu es désolé en te plaçant à ses côtés et en appuyant sur L2 plus rond avant qu'il ne te frappe, toi ou quelqu'un d'autre. Il y a aussi le fol dingue, personne n'a le droit d'être aussi béat. File une claque à ces types en te plaçant à leur côté en appuyant sur L2 plus croix pour leur mettre du plomb dans la cervelle. Ils en auraient bien besoin. Déprimé, place-toi à côté de lui et dis-lui que tu es désolé, L2 plus rond, et il arrêtera de gémir. Mais ne le tape pas, il risquerait de se suicider. En gros, les Mudokons déprimés, c'est les Mudokons qui travaillent chez Oddworld Telecom. Bon, c'est une petite blague, une petite blagounette. Alors, il y a aussi les Mudokons malades, ça c'est un rôle très énervant. Il a bu une bière de trop celui-là, procure-toi un anneau de guérison auprès d'un chaman Mudokon, puis fais des incantations pour le guérir. Et enfin, les pires de tous, les Mudokons aveugles, il suivra le son de ta voix, alors n'oublie pas de lui dire d'attendre avant qu'il entre dans une zone de forage. Ouais. C'est vraiment les pires, les Mudokons aveugles, c'est vraiment les pires. Il faut vraiment faire attention à eux. Mais c'est... Parce que voilà, il ne voit rien, c'est vraiment agaçant. Donc je vais regarder par contre où j'en suis. Bon, ça va. Donc je pensais que là qu'il y avait peut-être un passage secret, parce que je sais qu'il y en a un dans pas longtemps ou pas loin. Donc j'avais dit qu'il se... Ah. Salut. Il serait visible. Salut. Dis-moi. Avec des bouteilles vertes, donc vous le verrez très rapidement, je pense. Donc là, il est employé dans ce tunnel 18, j'en ai déjà évadé 13, il y en a encore 75, il y en a 75, rien que dans les mines. Ah voilà, donc là il est en colère, il est passé du bleu au rouge. Donc voilà, je lui dis que je suis désolé, et il me croit sur parole. Et il me suit, parce qu'il l'a reconnu, il sait que je suis Abe. Salut. Donc vas-y, je t'en prie, suis-moi, voilà. Je vais lui dire de me suivre, parce que ça va vraiment être intéressant. Que si je ne l'avais pas fait me suivre, et eh ben il y avait un slip qui arrivait où est-ce qu'il était, et il l'aurait tabassé sans ménagement. Donc voilà, c'était un cas d'extrême urgence. Ah mon dieu. Attention, gaz hilarant. Il y a rien de pire que ça. Parce que voilà, ils sont un peu foufous, et rien de tel que leur mettre des... que leur coupe des baffes pour vraiment leur mettre, justement, comme ils disaient, du plomb dans la salle. Voilà. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de leur mettre une bonne claque. Surtout que certains en ont bien besoin. Je t'en prie. Au boulot. Vas-y, vas-y. Tous ensemble. Ah, tous ensemble, voilà. Au lieu de tailler des pierres. Ben, c'est un premier épisode qui est vraiment très... Certes, il est très nul parce que je suis déjà mort deux fois et j'ai tué déjà beaucoup de Mudokons. Mais également parce que j'ai... Mais également parce que j'avance. C'est bien parce que j'avance dans le jeu. Donc dans le prochain épisode, on verra ce que c'est que la quick save. Salut à tous !